Salut les amis, c'est White, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur la bêta de Star Wars Battlefront 2 pour pouvoir vous proposer un petit peu de gameplay tranquille, toi-même tu sais, t'as vu. Et aujourd'hui on va commencer tout de suite avec... J'ai vraiment peur que la musique soit trop forte là. Aujourd'hui on va commencer avec mon mode préféré qui est le Starfighter Assault. Voilà, on va garder l'accent français, on n'arrive pas à dire le Starfighter Assault. Qui n'est pas pareil que Starfighter Assault, qui veut dire le trou du cul du Starfighter, bon... La barrière est effectivement très proche, donc on va faire attention quand on dit Assault, et non Assault. Je sais pas trop si ça se prononce pareil, mais on s'en fout. Vous allez voir si je suis pas un guerrier, moi. Ça commence dans 30 secondes. Dans 30 secondes, c'est la guerre. J'en profite pour vous le dire, je glisse ça dans la description. Alors, je ne demande rien, pas d'argent, mais je prévois d'investir dans du matériel audio et vidéo, tout simplement pour améliorer la qualité des vidéos sur cette chaîne YouTube. Si vous voulez participer, vous pouvez donner n'importe quoi à l'adresse Tipeee qui est dans la description, voilà. Donc je prévois d'investir dans une caméra qui coûte 1200 €. Si chacun donne 50 centimes, ça se fera très très vite. Enfin voilà, je ne force personne, je vous laisse juste la possibilité de participer. Je remercie à ceux qui le font, d'ailleurs même ceux qui le font pas, qui regardent mes vidéos tout simplement. Et c'est parti, instant auto-pub terminé, je viens de débrancher mon casque comme d'habitude. Instant auto-promo fini, on va pouvoir s'amuser un petit peu. C'est parti les potes. Alors, regardez-moi ces graphismes extraordinaires. Extraordinaire, je vais essayer de passer là-dedans sans me cracher. Ça devrait pouvoir le faire. Et voilà, le professionnalisme à l'état pur. Donc là, je sais pas trop, il me dit protéger les défenses impériales. Donc on va rester au niveau des défenses impériales. Et on va essayer de target, voilà, les cibles qui se rapprochent un peu trop près comme ça. Alors, j'ai pas l'habitude encore, il y a des petites flèches. Voilà, c'est bon, lui je l'ai eu. Et on va essayer de vous proposer vraiment du beau jeu. Ok, lui il est mort aussi. Là, il y en a un qui arrive. Hop là, j'en ai encore eu un, nickel. Allez, manœuvre d'évitement. Oh, on a failli se rentrer dedans avec le collègue. Heureusement qu'il n'y a pas la collision alliée, hein. Je vais essayer de le suivre. J'ai failli me prendre ça. Et je l'ai eu encore. C'est le troisième kill qu'on enchaîne. Nickel. Et là, ok. Alors, j'ai des capacités particulières et on en parlera tout à l'heure. Oh là là, le massacre. Je vais essayer là d'aller suivre celui-là, ok. Lui, j'arriverai pas à l'avoir, il va trop vite. Si, je l'ai eu aussi, mais incroyable. On va rester au niveau des défenses. Il y en a là-bas qui s'en prennent au deuxième système de défense. On va essayer de se faire celui-là. Comment il s'appelle, ce monsieur? Reste avec moi, toi. On va jouer ensemble. J'adore quand il crie comme ça, gros. Et voilà encore un magnifique. Alors, il faudrait que j'arrive à m'en aller. Là, il y en a un. Il y a un gros vaisseau, là. Je vais crever. Barre-toi. Non! Il m'a eu. Et je suis déjà à 3 éliminations, dont 2 IA. Ce qui est assez pas mal. J'ai fait 1000 points. Et à 3005, je pourrais m'acheter le gros vaisseau de ouf. On va repartir sur du fighter. Ça marche super bien. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Ou vous plaît peut-être déjà. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si jamais c'est le cas. Ça fait toujours très très plaisir. Et ça donne un petit coup de main à la chaîne. On va attaquer le gros vaisseau d'attaque. Je vais le loquer avec ma capacité. Je vais lui envoyer des missiles. Et je vais lui envoyer une salve de missiles. C'est parti. On les souffle, on va décrocher. On va faire un petit demi-tour. Et il est effectivement là. Allez, viens là, je te lock. Non, je me suis fait avoir par la batterie du gros... Non, même pas la batterie du gros vaisseau. Fait chier, merde. 1250, notre premier objectif a été pris. C'est le temps pour moi de passer sur l'Interceptor, qui est un vaisseau plus rapide et qui va me permettre de chasser, entre guillemets, les autres vaisseaux. C'est parti. Je vais aller attaquer celui-là là-bas, il m'a l'air affaibli. Ou alors je vais intercepter celui-là. Un APEC. Et voilà, lui il est eu, je l'ai intercepté, nickel. J'ai un petit vaisseau là. On s'enfuit. Faut que je vais revenir au niveau de mes défenses. Et voilà, lui, boum. Il est tombé tout seul, je vais m'enfuir en dessous. Là, ça me permet vraiment d'être sneaky et de me balader un peu partout. Le vaisseau est vraiment très très bien et très très flexible. Hein. Voilà, il n'y a pas de problème, flexible, il a fait de la gym. Il a pris des cours chez Thibaut InShape. Ma blague était complètement nulle, mais c'est pas grave, on va même pas la relever, mon pote. Hein. Alors, voilà, on va descendre là en bas. Ouah, on se croise entre vaisseaux. Faut que je fasse demi-tour. Ils rentrent tous là-dedans, mon pote. On fait demi-tour. C'est parti. Et on va le passer à l'envers. Non ? Eh ben je suis mort. Ok, d'accord.
très bien, je me suis fait complètement défoncer, il n'y a pas de problème. Je suis déjà à 1600 points, ce qui est assez énorme. Je vais reprendre un fighter, j'ai l'impression que je me débrouille un peu mieux sur le fighter. Donc on va rester sur le fighter, tranquille. Il nous reste 28% de notre deuxième objectif. Faut vraiment que je me dépêche et que je me rapproche de ce petit objet. Là, là, lui, je l'ai, il est à moi. Et voilà, et 2-1. Oh, j'ai eu le gros. Hey! Et encore un. C'est parti, on va se redéplacer vers derrière. J'ai un gros vaisseau ici qui est out of range. Je vais éviter de sick pour l'instant. Je me concentre sur la chair à canon. Encore un. Je sais pas si c'est effectivement là que je dois faire ça. Ah ah ah, c'est où, c'est où? Barre-toi. Non, arrêtez de me tirer dessus. J'ai pas touché le mur. 2500, on va pouvoir acheter un gros... Non, je peux pas. Je peux pas encore pour le moment. On va rester sur du fighter. Il y en a un qui a déjà pris le vaisseau de Boba Fett à 2005. Donc il faut que j'attende 3500 pour avoir l'autre. Et je me débrouille pas trop mal. J'ai 6 kills. Bon, le premier a quand même 15 kills. Hein. Il y en a qui kiffent vraiment jouer dans l'espace. Il y a pas de problème. Sachant que les kills sur IA ne comptent pas ici. Hein. Alors là, j'ai un salopard. Je vais essayer de me déplacer dessus. Et de le verrouiller. Il passe en dessous. N'empêche, c'est... franchement, c'est magnifique. Hein. Je crois que je l'ai eu. Et hop là, j'en ai eu encore un. On passe, on passe, on passe. Et on ne touche pas les bords, effectivement. Alors, nous, voilà, dehors. Boum. Et voilà. Et hop, encore un qui est mort. Faut bouger, faut bouger, faut bouger, faut bouger, faut bouger. Là, j'ai remonté un petit peu ma barre de kill. Putain, j'ai plus de shield. Putain, il est en train... Ah! Je sais pas pourquoi je suis mort, c'est pareil. 3200, encore un petit peu, et je vais pouvoir acheter le vaisseau à 3500. Et je vais pouvoir vous montrer du truc... Du truc... Du gameplay assez lourd, pardon. Alors, on doit protéger le réacteur et on est déjà très bien. Il reste plus que 80 attaquants. Et voilà. Et 2-1 éliminé. Faut que je vais rester pas loin de la carcasse. En essayant de me protéger un maximum. Ma vie remonte. J'ai réussi à m'en sortir, très bien. Alors du coup là pour le coup, il faut que j'arrive à trouver des ennemis. J'en ai eu encore. On va s'enfuir, on va bouger à l'intérieur. Et voilà. Par contre, je sais pas du tout comment elle l'évite. Hein. Là je pense qu'au niveau du dash, j'ai fait ce qu'il fallait. Putain, mais il y a des petits trucs qui me tirent dessus, mon gars. Je sais même pas ce que c'est. Est-ce que je peux le prendre? Je peux le prendre. J'ai le tout gros. J'ai le tout gros. Je vais vraiment jouer safe de ouf pour pas qu'on me le pète parce que ce vaisseau-là. I am more. A few moments later. Non, 200. En fait, j'aurais servi à rien, mec. Et pourtant, j'ai fait ce que j'ai pu, hein, mais je sais pas jouer. Bon, il en reste 9 bonhommes en vie. Et fondamentalement, je pense que nous allons gagner. C'est parti, on va encore s'en faire un. Et c'est une victoire. C'est une victoire de l'équipe à White Shark. Je trouve qu'on s'est vraiment bien débrouillé. On a joué super teamplay. Ah, c'est comme ça que ça se joue normalement. Chez moi, c'est moins rapide quand même. Et cette fois-ci, on va partir sur le Galactic Assault, qui est le mode de jeu terrestre entre guillemets. Voilà, donc je pense qu'on va se retrouver sur Naboo. C'est la carte qui proc le plus souvent. Nous verrons bien. Naboo, ouais. D'ailleurs, je pense que c'est la seule en fait. Alors les potes, c'est parti, on va commencer... En tant qu'assaut, et la partie commence dans 27 secondes. Donc je disais effectivement, tout à l'heure, j'en profite, le projet d'achat de caméra, c'est pour la Paris Games Week, m'en servir en tant que caméra de vlog, tout simplement, pour pouvoir vous présenter des moments qu'on aura tourné là-bas, et en plan fixe sur mon bureau. Voilà, ça me permettra vraiment de faire des trucs assez sympas. Parce que bon, je tiens à dire quand même que, avant je filmais à la webcam. On se débrouille comme on peut, hein. C'est parti! Je suis... Et c'est quoi ça? Ah, d'accord, ok. Je l'ai eu à cette distance. La honte pour lui. La chouma. Donc vous voyez, franchement, c'est vraiment joli. Hein. J'invente rien. C'est pas une vidéo sponsor ou quoi. C'est vraiment objectif, ce que je vous dis. Je trouve le jeu vraiment magnifique. Et je m'éclate dessus. Allez, la double. Elle passe pas. Elle passe pas, la double. C'est dommage. On va défendre le Ion Disruptor.
Et normalement, ils viennent de là en face. Ok. Et 2-1. Et hop, un mort. On passe dans le bac, on fait le tour. Reste à ta place. J'avais plus de balles. Il voulait plus tirer. Il était en surchauffe. Bon, ça va, on se débrouille bien. On a déjà fait 1600 points. Et à 5000, je peux vous présenter ou Boba Fett ou Dark Maul. Enfin, Darth Maul. Hop là, on régène et on y va. Et 2-1. Éliminé. Et 2-2. On va passer direct à gauche là. C'est parti, on continue à pousser. Eliminated. J'ai plus de balles. Bah ouais, mais ils sont en train de damage le MTT, mon gars. T'es bien sympathique, mais comment tu veux que je fasse? À moins que je les prenne directement sur les marches. Peut-être que je peux, ouais, effectivement. Y'a peut-être moyen, en fait. Et 2-1. Alors, je prends le contact. J'arriverai pas à survivre là. C'est trop cheaté ce bouclier. Et c'est sûrement pour ça que j'ai pas réussi à le coucher tout à l'heure. Alors je suis à 4500. Vas-y, je prends ça. Je claque 2000, je m'en bats les couilles. On a 12 kills là. On s'en sort plutôt convenablement. Dis-moi où ils sont là. Éliminé. La porte est cassée. On y va. Shut down Palace Security System. On va y arriver. On va y arriver, c'est parti. Et on y va avec le gros droïde là. On monte dans les escaliers. Boum. On va ressortir. On va régénérer notre vie à chaque fois. On va vraiment économiser nos forces. Il y a un Jedi. Gros, il m'a souillé, hein. Putain, costaud quand même, hein. Du coup, je vais en reprendre un parce que j'ai l'impression que je suis quand même vraiment strong avec. Vas-y, je prends le gros à 3000, là. Merde, on a perdu. Non. Ok. Dommage, j'étais un peu chaud. Bah, j'étais content, quoi. Écoutez les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura énormément plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à y jouer et j'ai l'impression que ce petit jeu va être une réelle merveille dans le sens où rien que là, sur cette bêta, je me suis amusé comme un ouf. C'est bien, les classes sont bien, les batailles spatiales sont vraiment bien et c'est vraiment un kiff que de pouvoir jouer là-dessus. Moi, je me suis éclaté. Merci pour l'accès. Je sais même pas qui c'est que je dois remercier. Mais voilà, c'était un réel kiff. Encore une fois, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et je le rappelle encore une fois, pour ceux qui veulent me donner un coup de main à investir dans du matériel audiovisuel qui, pour l'instant, est un peu difficile pour moi, je vous donne rendez-vous au Tipeee, dans l'adresse dans la description, et vous pouvez donner ce que vous voulez. Ne participez pas si vous ne pouvez pas donner ce que vous voulez pour ceux qui peuvent et qui veulent. En tout cas, moi, je ne vous force pas et je ne vous demande rien. Je vous laisse juste la possibilité de contribuer. Les gars, je vous remercie pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. J'essaye de vous le rendre comme je peux. On se verra à la PGW. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau live. Ciao tout le monde. Peace.